Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce, c'est-à-dire une option qui va vous permettre de gagner plusieurs fois sur OneXBet. Donc, suivez la vidéo attentivement. Une fois que vous êtes dans votre application OneXBet comme ceci, ce que vous allez faire est très simple. Ce que vous avez à faire est très simple. Vous allez sélectionner le coupon du jour. Là, je viens dans Paris. Je viens dans Paris. Une fois que je viens dans Paris, là, je vais sélectionner l'un des événements. Une fois que vous sélectionnez votre événement comme ceci, ce que vous allez faire est très simple. Vous allez juste descendre. Vous descendez. Donc vous descendez. Descendez juste au fond. Donc n'oubliez pas de vous abonner comme je l'ai dit et d'activer la cloche de notification si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne. Vous allez descendre comme ceci. Voilà. Là, on arrive là. Ici, on a l'option. Le ballon ancrera dans les buts, mais un but ne sera pas accordé. Vous allez dérouler l'option. Et vous allez sélectionner non. Voilà, vous allez sélectionner non, comme ceci. Donc, je vais prendre trois événements comme ceci et je vais vous expliquer immédiatement ce que cela veut dire. Donc je vais descendre et sachez que ce n'est pas dans tous les événements que vous allez retrouver, ce n'est pas dans tous les événements que vous allez retrouver ceci. Donc c'est pas dans tous les événements que vous allez retrouver ceci. Donc je vais juste ici on dit, donc je vais remonter, je vais remonter. Donc vous constatez qu'ici là il n'y a pas, il y en a pas. Je vais cliquer ici. Voilà, je vais redescendre. Puisque l'option se trouve à un niveau quelque part ici vers le bas, vous voyez. Donc je vais descendre, on dit. Voilà, je vais descendre. Voilà, on retrouve encore la même option. Le ballon ancrera, mais un but ne serait pas accordé. Vous déroulez toujours comme ceci et vous allez cliquer sur non. Vous voyez que juste avec deux événements, vous avez déjà votre cote de 2. Donc maintenant, je vous explique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Lorsqu'on dit le ballon ancrera, mais un but ne sera pas accordé, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous avez pris non, ça veut dire dans le match. Lorsque le match va se jouer, le match va se jouer. Si l'un des joueurs, vous voyez, l'un des joueurs, c'est-à-dire que si l'un des joueurs marque un but, après avoir marqué le but, la bique siffle et dit que ce n'est pas un but. Donc, ça veut forcément dire que aucun but ne sera refusé. Donc, voilà l'explication plus détaillée. Ça veut dire qu'aucun but ne sera refusé. Ça veut dire que une fois que le ballon est déjà ancré dans le filet, une fois que le gardien va refuser, si la bique refuse, au cas où la bique refuse, que peut-être il y a eu hors-jeu ou une faute et que le but marqué est refusé, ça veut forcément dire que là, le ticket est perdant. Parce que là, vous avez dit non. Mais si vous voulez dire que dans le match, il y aura un but refusé, vous pouvez dire oui, sans aucun problème. Donc cela va dépendre totalement de vous. Mais vous et moi savons que ce n'est pas facile que dans un match, un joueur puisse marquer et la bique dit que non, ce n'est pas le but. Bien que ça arrive, mais les chances pour que ça arrive sont très minimes. Donc, sont très grandes, voilà. Donc voilà l'explication de ce que ça veut dire. Sinon, moi, j'ai essayé ceci plusieurs fois et à chaque fois que j'ai essayé, j'ai bel et bien validé. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se prend à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.